Oui, tu as bien lu le titre de cette vidéo. Moi-même et PCO, on s'est retrouvés dans le même ring. Je me vois encore rédiger le titre de cette vidéo pendant que je préparais la publication et ça me paraît toujours irréel. Parce que j'étais loin d'imaginer que j'allais affronter PCO cette année. Alors pour ceux qui vivraient dans une grotte, PCO c'est une véritable légende du catch. Il a performé à la WWF à l'époque, à la WCW, il a voyagé partout dans le monde, il a été champion de la Ring of Honor et il est actuellement le champion digital média de la TNA. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont eu la chance de se retrouver dans un ring de catch avec une telle légende. Et habituellement, quand je te sors une vidéo à propos de mes combats, je fais toujours une petite explication au début, je t'explique les détails et s'il y a des choses en particulier à expliquer. Mais là, je vais faire l'inverse. Je vais d'abord te diffuser les images du défi ouvert que j'ai lancé ce jour-là. Pour te faire simple, je suis rentré dans le ring, j'ai pris le micro et j'ai lancé un défi à n'importe quel catcheur qui se trouvait dans les vestiaires ce jour-là pour venir m'affronter. Et comme tu peux te le douter, c'est PCO qui a répondu à mon challenge. Voilà en ce qui concerne les grandes lignes, je vais maintenant te partager ce moment qui est pour moi unique et après je t'expliquerai comment tout ça s'est mis en place. Yeah!
Alors, comment tout ça s'est mis en place? On va déjà commencer par la fédération où ce combat a eu lieu. Et ça s'est passé à l'une des fédérations dans laquelle je préfère travailler, la TUW. Il y a quelques semaines, tu as le promoteur de la TUW qui me contacte pour savoir si j'ai un show de prévu ce jour-là. Et en regardant dans mon calendrier, ben, j'avais cette date disponible. Donc du coup, j'ai accepté avec plaisir. Et je me rappelle qu'on s'était appelé par appel vidéo parce qu'il voulait me parler d'un projet qu'il voulait mettre en place de faire un open challenge. Pour ceux qui ne le savent pas, un open challenge, c'est un combat où tu affrontes un adversaire mystère. Donc j'étais prévu sur le show, j'étais annoncé sur le show, mais je ne savais pas qui j'allais affronter. En gros, t'as le promoteur qui m'avait demandé de faire une promo pour pouvoir lancer ce challenge. D'ailleurs, promo que tu peux retrouver sur cette chaîne. Et à ce moment-là, au moment où on s'est appelé par appel vidéo, il voulait pas me dire qui j'allais affronter. Il voulait garder la surprise. La seule chose qu'il m'a dit, c'est que ça allait être quelque chose d'énorme. Et effectivement, il a pas menti. Donc du coup, on clôture notre appel jusqu'au moment où on arrive au jour du show. Donc je fais la route, tout se passe bien, j'arrive sur le lieu du show, je me gare, j'arrive dans les vestiaires, je dis bonjour à tout le monde, comme j'ai l'habitude de le faire dans toutes les fédérations dans lesquelles je travaille. Et là, je vois assis sur un banc dans les vestiaires, PCO, et évidemment, dès que je le vois, je vais le saluer et me présenter. Et à partir de ce moment-là, je commence à me poser des questions. J'ai comme un mix de pensées qui me passe par la tête. Et du coup, je me dis, est-ce que c'est lui que je vais affronter? Et puis genre, 10 secondes après, je reviens à la raison et je me dis, ben non, c'est pas possible, il doit être là pour une raison en particulier. Et bien finalement, non, ma première intuition était la bonne, parce que quelques minutes après, tu as le promoteur qui vient vers moi et qui me dit, ce soir, tu affrontes PCO. Et quand il m'a dit ça, je vais pas te le cacher, j'ai bugué. Parce que j'étais genre, non, c'est pas possible, pourquoi j'affronterais PCO? Mais d'un autre côté, je me dis, ouais, ben ça peut être possible aussi finalement. Mais c'était effectivement bien réel, et donc là, ben, la première chose que je fais quand je suis au courant de cette information, je vais voir PCO, et puis on commence un petit peu à discuter. Et là, la première chose que j'ai faite, c'est d'écouter. Parce que j'allais pas commencer à venir vers lui et à lui dire « Ouais, moi je veux faire ci, je veux faire ça, je veux faire ce que je veux. » Non, non, c'est pas comme ça que ça marche quand tu affrontes quelqu'un comme ça. Et ça d'ailleurs, c'est quelque chose d'important pour les catcheurs qui regarderaient cette vidéo, mais aussi pour les apprentis catcheurs. Quand tu as la chance d'affronter quelqu'un comme lui qui a tout fait dans le catch et qui est une véritable légende et qui est encore aujourd'hui dans le top des promotions mondiales, tu l'écoutes et tu t'adaptes à ce qu'il veut faire. Surtout que quelques jours avant, il revenait d'un gros week-end parce qu'il y avait eu le pay-per-view Slammiversary à Montréal, donc le pay-per-view de la TNA. Et le lendemain de Slammiversary, il y avait aussi eu les tapings de la TNA. Donc tout ça pour te dire que ça a dû être un week-end pas mal intense physiquement pour lui. Et donc pour en revenir à notre combat, une fois qu'on avait discuté des choses majeures du match, je me suis pas genre cassé et fait comme si de rien n'était. On a discuté un peu de catch, mais on a aussi discuté des choses qui étaient en dehors du catch. Et ça, justement, profites-en quand tu as quelqu'un d'un tel calibre, quelqu'un qui a vraiment tout fait dans le catch. Profites-en pour lui poser des questions. Et d'ailleurs, j'ai été surpris parce qu'il a connu mon ancien mentor, Salvatore Bellomo, qui était mon entraîneur quand je vivais encore en Belgique, qui lui d'ailleurs avait eu une carrière de 30 ans aux États-Unis, dont quelques années qu'il avait fait aussi à la WWF à l'époque, qui est la WWE aujourd'hui. Et c'est ça aussi que j'aime dans le catch, c'est pas uniquement ce qui se passe dans le ring, mais aussi ce qui se passe à l'extérieur du ring, dans les backstage, quand tu rencontres des personnes comme PCO qui te donnent de leur temps à te partager des histoires et des conseils, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très précieux. J'aime cet aspect un peu camaraderie, et je sais qu'il y a quand même pas mal de catcheurs qui partagent cet avis, surtout quand je leur demande les choses qu'ils aiment dans le catch, j'ai ce genre de réponse qui revient de temps en temps. Et pour en revenir au combat, tout s'est bien passé, j'ai eu des bons retours de la part de PCO, mais aussi de la TUW, et c'est définitivement une expérience qui restera gravée à jamais dans ma mémoire, et je me sens extrêmement chanceux et reconnaissant d'avoir eu cette opportunité en or. Voilà en ce qui concerne mon combat face à PCO. N'hésite pas à interagir en bas dans les commentaires pour me laisser savoir ce que tu as pensé de cette vidéo, mais aussi si tu as des questions en particulier. J'espère que tu as apprécié le contenu que je t'ai partagé aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de liker, partager et t'abonner. Et quant à moi, je vais te dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo.